Avec cette collection, on va partir sur quelque chose d'enfantin. Alors, ça s'adresse plutôt à les filles, aux filles, pardon, puisque ça s'appelle Sweet Ballet. Donc, doux ballet de danseuse. Donc, on a des petits personnages, des petites filles en tutu et des petites lapinettes, des petites chattes aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Un petit écureuil. Donc, tout ça en tutu. Alors, avec des couleurs qui ne sont pas criardes, hein, elles sont assez vives, mais pas criardes du tout. Voilà, je tiens à le préciser. Donc c'est très gai comme couleur. On a ensuite, donc après les embellissements, vous avez deux pages avec des fleurs, les petites danseuses qui s'envolent toutes légères avec les ballons. Ici, vous avez, eh ben, le petit lapinou qui danse avec la petite fille et toujours des fleurs à l'arrière, un fond aquarellé façon nuage dans les tons jaunes. Après, donc nous avons deux pages avec un fond de cœur, des cœurs blancs sur un fond bleu et à l'arrière des cœurs roses. Donc là, il y a deux pages identiques avec les couronnes de fleurs, le petit nounours en robe qui dort sur la lune. La petite lapinette en tutu. Ici, on a l'écureuil en tutu aussi. Et puis ici, la petite minette aussi. Ah non, c'est pas la minette, c'est la petite lapinette avec son envolée de ballon. Alors ici, on a sur ces deux prochaines pages. Donc les pages sont identiques, on a deux fois les mêmes. Donc tous les petits sujets qui sont dans le ciel à flotter. Alors ça c'est intéressant, on a des sucettes, là les lollipops, donc vous pouvez utiliser ce thème-là aussi pour décorer vos albums. Ici je verrais bien une ficelle et puis une petite ficelle de chaque côté découpée autour et puis l'anneau qui bouge quand vous ouvrez la page de l'album. Ah ça serait sympa. Et à l'arrière, oh c'est très joli, oh tous ces petits ballons avec ces sujets qui s'envolent, oh c'est très joli, j'aime beaucoup. Là on a du Vichy rose, oh ça me rappelle vraiment des tissus de robes d'enfant, c'est vraiment très frais là, la robe Vichy là de Brigitte Bardot quand elle était jeune, c'est très mignon. En fait on a les étiquettes en 15 par 15. Regardez-moi si c'est joli. Et à l'arrière, des petits cœurs bleus. Alors là, super, hein? Là, avec les cœurs, hein, pensez toujours à votre collection de dies de cœurs, le cadre avec les cœurs ajourés. Regardez ça, même pour faire des shakers carrés. Là, c'est vraiment très mignon. Donc, la deuxième page identique, une page avec des fleurs et des petits papillons. Et à l'arrière, des motifs carrés et ronds. Toujours dans les teintes pastel. Ici, on a un fond avec des petites rayures pastel. Et de l'autre côté, oh, des belles étiquettes. Alors là, on a un éléphant qui s'envole, une petite éléphante avec son tutu, sa sucette. Ici, on a la petite lapinette, la minette avec son diadème. Oh là là, vraiment pour une petite fille, c'est super joli là pour faire un album. Donc, deux fois les mêmes pages. Voilà pour cet album. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le même en 2020. Donc pareil. Et les petits embellissements au début et à la fin. Donc là, c'est pour le 2020. Donc c'est exactement le même. Hein, le même grammage de papier. Il n'y a que la taille qui change. Les bonus à découper. Vous pouvez assortir toujours avec les nacrés là, de cette marque-là. Bah pareil, comme pour les autres marques, hein, je vous propose toujours ces petites choses. Si vous avez acheté pour une ou l'autre collection, eh ben, ces teintes-là vont avec, il n'y a pas de problème. Regardez, la poussière d'étoile, ça va très bien. Ce bleu aussi. Donc voilà pour cette collection. Ben, je vous retrouve avec. Il me reste encore deux collections à vous montrer de cette marque, Scrapboy. Je vous dis à tout de suite.